Salut mes petites bêtes, toujours le tronc pour la suite du Final Fantasy 10. Donc là, une fois, il me s'est arrêté en pleine attaque du QG des Albed. Et je m'étais arrêté juste avant car je sais qu'il y avait beaucoup de cinématiques. This place done for. You're right, Waka. We Albed, we weren't always like this. Sin destroyed the island where we all used to live. After that, we were scattered to every corner of Spira. But then, my dad brought the Albed together again. If we put our minds to it and worked together, then we could make a new home. Everyone worked hard. We had our home back again. But now, why did things have to turn out this way? Riku! Damn those Guano! What are they thinking? Y'a pas que les Guadeuses, y'a Yeven aussi dans l'eau, hein. Il l'a one shot. Lol, il n'était pas prévu cet overkill. Mais je suis content quand même. Oh, le coup critique à 5000. Riku, what is the Summoner's Sanctum? The Summoner's Sanctum is where we keep the summoners. We keep them safe there. You kidnapped them. I know it's against the teachings and all that. I get why you did it, but... Well, I sure don't get it, Waka. They might get hurt on their pilgrimage, so you kidnap them? I mean, if the summoners don't do their job, then who will beat Sin? You want to protect them, I know. But guardians are there for that. If guardians do their job well, summoners will be safe. Right? It's quiet. Kimari goes now.
Ne pas oublier les coffres. Parce que là, t'as une cercle niveau 4. Un des objets les plus chiants à voir du jeu. Bon, là, deux, on s'en bat les couilles. She's not here. Hello again. Wait there until we have performed the sending. They died, protecting us. It's not much, but the least we can do is give them a proper sending. Hey, what's sacrificed? The Albed said summoners were being sacrificed. That summoners shouldn't have to do a pilgrimage. Why couldn't they trust guardians to protect the summoners? The Albed had no right stopping their pilgrimage. The pilgrimages have to stop. If they don't, and they get to Zanarkand, they might defeat Sin. Yuni could... But then she... Yuni will die, you know? You know, don't you? Summoner's journey to get the final Aeon. Yuna told you, didn't she? With the final Aeon, she can beat Sin. But then... If she calls it, then the final Aeon's gonna kill her. Even if she defeats Sin, it will kill Yuni too, you know? Was I the only one who didn't know? Tell me why! Why were you hiding it? Why didn't I know? We weren't hiding it. It was just too hard to say. Chose to become a summoner. To face Sin, yeah? Yuna knew. But Waka, that's just totally wrong. Summoners shouldn't have to sacrifice themselves. Just so the rest of Spirit can be happy, right? Fear of Sin, you know that. A world without Sin. That is the dream of all Yevon's children. And we will use that power, even if it means our lives. Thank you.
I've been telling Yuna! Let's go to Xanarkin together! Let's beat Sin! I told her all the things! We could! And all along, the whole time, I didn't know anything! But Yuna, she'd... just smile. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah, I understand. I think. Right, now let's see what you can do. I want my journey to be full of laughter. C'est moche sur les flashbacks quand tu rushes pas un jeu, étant donné que c'est des vidéos YouTube. Et quand tu fais le truc en live, le truc là tu l'as fait il y a à peine un ou deux jours, tu te sers parfaitement de la scène. Ça pète pas de couilles. Là vu que c'est un display, ça passe. Les flashbacks. I can't let her die. I'll find her. Il y a comme dans cette salle de 10 000 gilles, si vous me souvenez. It's a no attack. Go! 3 minutes left! Reno! We reach 1 minute! Where's Yuna? Ajanuha Hupun? Ajanuha Yemeja! I said, where is she? Answer me, damn you! What'll you do when you find her, eh? I didn't know anything about what a summoner is supposed to do. And I told her all those things without even knowing. I've gotta tell her I'm sorry. That's it? You're gonna tell her you're sorry? And then you just drag her to Xanarkand and make her fight Sheen, huh? You're all the same. Let the summoner die so we can live in peace! No! Words! Show me action! I'm telling you, she won't die! Boy, don't forget those words. 'Cause if you do... I'm gonna make you regret it.
I won't. So you know where she is? Of course not! That's why we're gonna look! Using this airship! Airship? Vitran! Neto do coup! Warim! Evil Maker 1,000 years, Ujantia! Ils l'ont bien instauré depuis le début du jeu quand même. Oui, c'est Sujak. Ah, Nick Pepe. What's going on? We're gonna blow up our home. How? With one of the forbidden machina. Hey, go! Ina! Sacré déflagration, quand même, hein. Hat vun dank. Fide kut i puit makina. Ecto lippa piemta, wika. Hey, look. Don't get so down. Boom! Like happy festival fireworks, yeah? You can cram your happy festival, you big meanie! Did you find out anything about Yuna? I'm looking into it, okay? Don't worry, I'm using a Sphera Cellifinder. If she's out there, we'll get her. A Sphera Cellifinder? It's an ancient machina. I don't know how it works either, so don't ask me, okay? And you still use it? I don't even rightly know how this rig flies, either. All cause of the given taboo on machina, we're running around in the dark here!
Ain't it a rush, kiddos? Make your supper! After rescuing Yuna, then what? You want to keep her safe, correct? Would you seek to stop her pilgrimage? Of course! If she continues this fool pilgrimage, she will die. Sure as if you killed her yourself. No harebrained law or teaching could send my little niece to her death! When I save her, I'll make her give up being a summoner quicker than a desert melts ice. Even against her will? Better than a dog's death. And I'll take down anyone who don't agree! You are the captain. Good! Then it's settled. Vidran! For Yuna! Frana! Efen Krufwi! Yuna! Elle est magnifique dans sa robe de mariée. Where was that? The palace of Saint Bevel, heart of Yevon. Gramps, let's move. Easy, kiddo. Bevel's defenses are top notch. What's the matter, Gramps? You scared? Yuna's there, so we go and get her. And that's all! You got guts? God, Louis, could do my well! Fib, come on, you read! Look! It'll take a while to get to Bevel. Meanwhile... We prepare for battle! Non, bah, j'aurais bien aimé les points de force là. Je ne sais pas jouer au Blitzball. Being attacked from within. Some of the Guado that attacked home must have snuck on board. You're awfully calm about it. I am calm about most things. Fiends, there's nothing to do but... But destroy the ship and all go down together. Huh? You gotta learn a little restraint, Pops. If you crash the ship, we can't go rescue Yuni. Leave the fiends to us professionals. Yeah, let's go! Thanks! Riku, you've made some very good friends, I think. Good luck. Ah oui, alors ici, il est censé avoir des monstres, mais la plupart du temps, vu que les salles sont tellement courtes, j'arrive pas à tomber sur des combats aléatoires. C'est ça le plus drôle.
Si vous tournez normalement dans une des salles, juste avant, vous pouvez tomber sur des ennemis. Vous pouvez. Now there's a rare sight. Whoa, that's huge! What is that? The guardian worm, Evrei. The great sacred beast, protector of Bavel. The red carpet has teeth. Wait, that means we're close to Bavel. Riku, you read me! We're gonna fight that thing! Get on deck and show him what you got! Go! There he goes again! The ferryman asks a high price. J'aime la répartie de Auron. Le tapis rouge du Mordant. Le capitaine fait payer cher le transport. Ah putain. Ah les phrases d'horreur, putain. On peut faire sonner sur ce boss, mais je vous le déconseille, si jamais vous faites sonner sur ce boss, il fait booster. Ce qui est pas de couille. Oui, pendant ce boss, on peut servir des missiles pour le tuer. Mais étant donné que j'en ai pas besoin, étant donné que pour... Comme je disais, pour attaquer avec les missiles, il faut que l'ennemi soit loin. Et comme moi, je le combat au corps à corps... I'll give the commands. Not alone, you won't. J'aime bien Waka qui arrive puis qui recule. Ah bah non, même pas besoin. Or, j'aimerais bien pas me rater de temps en temps sur son overdrive à lui. Je prends mon temps exprès pour pas faire une fausse manip. Hein. Je vous le dis tout de suite, car je m'en fous des dégâts qu'il fait avec overdrive. Je sais que plus je suis rapide et plus il fait des dégâts, mais je m'en fous des dégâts. Je veux juste qu'il inflige toutes les altérations d'état qu'il peut infliger. Il y a eu un cul critique dans l'eau. On va mettre Kimari sur le terrain. T'es bien poussé un bel guiris de fossiles. Je pratique ça. Ouais, lui a pas joué, je sais. Là, j'ai réduit... sa résistance magique et son attaque physique. On va faire attaquer un peu Lulu. Bon là on y va avec saigner car la résistance à toutes les magies élémentaires. Là si je joue normalement je peux l'achever avec Waka. Bon on va quand même le faire baisser un peu plus ses points de vie pour être sûr de l'achever. Normalement, Waka fait largement plus de 10 000 de dégâts avec son overdrive.
Normalement, je suis tranquille. Ouais, ton booster va pas être utile. Hein. Bon, il lui restait à peu près 10 000 points de vie. J'ai combien de dégâts? Ok. J'ai fait 16 000 de dégâts. J'ai bien fait de baisser un peu plus. Waouh. C'était dur. Comment vous pouvez perdre de la puissance alors qu'on a subi aucun? Là, les deux serres de Maginor vont être très utiles. Elle est magnifique, on adore sa robe de mariée. Ça fait joli comme feu d'artifice pour le mariage. Vous croyez que vos petites balles là vont faire quelque chose là? Oui, alors là, normalement, vos semelles sont toutes fondues ainsi que vos pieds. Hein. Vu la vitesse que vous aviez, vu les forces de frottement qu'il y a sur le cap d'acier, vous avez plus de chaussures, les gars. Je dis ça, mais je dis rien. Yuna! Mais je dis ça à titre informatif, hein. Alors, les ennemis qu'il y a ici sont sensibles à deux types d'éléments. L'eau et le feu. Je me demandais pas pourquoi l'eau et le feu, car c'est des machines. Mais c'est des machines Yvenit. Contrairement aux machines d'Adblade, c'est pas la faute. Pourquoi? Jamais su. Et là, on a enfin la technique que je voulais depuis le début.
pillé qui permet de voler tout en faisant des dégâts. Ce qui est pratique. Ce sera très utile à Kimari plus tard dans le jeu pour former un certain type de sphère. Bon là t'as deux personnages qui sont PLS absolue point de vie mais... Bon désolé y a pas de point de sauvegarde là, ça va enchaîner les trucs hein. Bon viser les trucs de feu en premier parce qu'ils ont, un lance-flamme qui touche tout le monde c'est pas de couilles. Régène-moi. Allez, pour la première fois de ma vie j'utilise un item parce que j'ai la flemme. J'aurais pu ne pas en utiliser un mais bon. C'est juste parce que j'ai pris un peu cher sur le combat précédent. Ah, je pensais pas qu'il restait si peu de points de vie. Bon là, les petits gars soldats, je vais pas venir chercher les overkill, ils valent rien en XP. C'est pas intéressant, overkill. Là, nous avons un autre type de problème. Là, on peut apprendre un overdrive sur les machines. Bon, faut jamais laisser cette machine seule. Sinon, elle vous éjecte un personnage. Quoi, elle peut pas les overkill encore? Rip. Je pensais qu'elle aurait pu, qu'elle tapait sur leur faiblesse élémentaire. J'avais su, je devrais acheter avec Oren et elle se refait le petit gars là. C'est une machine qui rapporte beaucoup d'XP. Oh, j'ai même pas envie de me faire chier avec vous. On vise Speedy en 2-2 et puis voilà, vous. Ça sert à rien de faire durer les combats contre eux. On rapporte pas assez d'XP pour que ça soit intéressant. Mais quand il y a des machines, oui, là oui, on fait durer le truc. Dommage, il peut pas overkill. Enfin, il fait 2000 de dégâts, hein. Pas non plus des dégâts de merde, là.
Arrêtez de mettre des moines guerriers, pitié. Oh, je l'ai ouvert, kill, coup critique. Alors eux, ils sont très résistants à la magie, hein. Il reste qui lui et Oren. Rien, il résiste super bien. Farewell. Si je mettais une balle de type élémentaire Waka, il pourrait ouvrir kill les mobs. Seulement les machines. This has gone far enough. Stop. L'épisode sera long, vous m'excusez, j'ai pas de point de sauvegarde. You would play at marriage just for a chance to send me? Your resolve is admirable. All the more fitting to be my lovely wife. Stop! Do you not value your friends' lives? Your actions determine their fate. Protect them, or throw them away. The choice is yours. You are wise. Elle embrasse quand même à mort, hein. Tu es quand même mort, le mec, hein.
kill him. Kill them. I am sorry, but it is for Yevon. Aren't those weapons forbidden by Yevon? There are exceptions. Mec, tu trembles. No! Throw down your weapons. Let them go, or else. Leave now, please. You're coming with us. Don't worry, go. This is foolish. If you fall, you'll die. Don't worry. I can fly. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, je peux voler et pas j'ai des ailes. Believe. Même moi qui suis en anglais, je repère cette erreur hein, de trad. Hein. Elle, c'est Wings. Hein. Was that? An all-bed flash bomb! Let me go! I'm gonna kill that Seymour! Yuna said leave. We leave. We'll join up with her later. Breakthrough! Je me rends compte qu'en point de sauvegarde, on n'y a jamais accès. Là, il y a ce point de sauvegarde là. Là, juste derrière entre Kimari et Waka. J'y ai jamais accès. Les mecs ils ont dit tiens hop on va mettre un point sur la carte là mais sauf qu'on oublie de rendre cette partie jouable donc il y en a pas. It's too quiet. À moins qu'on puisse retourner en arrière, jamais testé. A trap. Who cares? Yuna's waiting for us. Huh? What's a machina doing in the temple? I suppose it comes in handy. That's not what I mean. The teachings. What about the teachings? Hey, don't look at me. Ah, on peut pas. C'est bien un point of God qu'on ne peut pas avoir accès. Or, il y a deux méthodes. Soit vous êtes con et que vous êtes dans ce à pied, ou soit vous utilisez la machine. Qui est beaucoup plus rapide comme solution. Et direct en bas. Another machina? Man. So this is Yevon's true face. They betray their own teachings. They treated us like dirt. Comme un peu toutes les religions, j'ai envie de dire. Hein? Après, ce n'est que mon humble avis, hein. Alors ici, il y a Manuel Albed, je sais plus où, mais par ici, il y a Manuel Albed. The entrance to the trials.
I wonder if Yuni's really in there. Let's go and see. Let's go. Et là, nous avons l'épreuve que je déteste le plus au monde, mais on va pas le faire maintenant, car l'épisode est bien trop long déjà. Donc sur ce, mes petites pestes, moi je vous remercie d'avoir regardé, on vous donne rendez-vous lors du prochain épisode, et sur ce, salut, salut !